get boom, boom, boom. Get, get boom, boom, boom. Gotta get boom, boom, boom. Gotta get. Coucou tout le monde, c'est TutoPratix. Donc dans ce nouveau tutoriel, je vais vous montrer comment faire l'effet lissage sur un visage avec Adobe Photoshop CS6. L'effet lissage sur un visage, je vais vous montrer ce que ça donne d'une personne qui n'est pas maquillée, comme ceci par exemple. Donc je vais pas vous montrer comment maquiller une personne, je vais vous montrer comment lisser la peau d'une personne. Voilà, donc très bien. Là on voit une différence avec ces deux photos, c'est les mêmes, on voit une différence. Maintenant je vais vous montrer comment faire. Donc vous ouvrez votre Adobe Photoshop. Quand il est ouvert, vous allez dans Fichier, Ouvrir. Vous ouvrez votre fichier. Ensuite, ce qu'il faut faire, vous allez dupliquer le calque. Excusez-moi. Vous le dupliquez en maintenant clic gauche. Pourquoi il me fait ça? Vous maintenez en maintenant clic gauche. Voilà. Et vous allez lâcher sur duplication. Qui est là, juste en bas. Et là, ça y est. Le calque est dupliqué. Ou sinon, vous pouvez faire clic droit et dupliquer le casque. Et dupliquer le calque. Ensuite, vous êtes dans filtre, atténuation, flou optimisé. Voilà. Donc là, vous voyez que ça donne un petit effet lissage. Vous mettez OK. Vous faites cette chose deux fois. Donc atténuation, flou gaussien. Maintenant flou optimisé. Excuse-moi. Et OK. Là, ça l'a fait deux fois. Ensuite filtre, atténuation, flou gaussien maintenant. Voilà. Qui va nous permettre de ne pas voir les traits du flou optimisé. Quand on a terminé de faire ça, vous allez, parce que là, en fait, ça fait l'effet flou dans toute l'image. Mais nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, c'est de rendre ce visage lisse, pas de rendre les yeux lisses, la bouche lisse et le nez lisse. Parce que, voilà, encore le nez, c'est pas grave, non, on peut le laisser comme ça, même la bouche. Il y a juste les yeux, en fait, qui sont très importants. Donc, pour cela, vous allez faire un masque de fusion en cliquant sur masque de fusion juste en bas. Ensuite, vous allez dans l'outil pinceau, vous vérifiez bien que c'est en noir et blanc. Vous allez enlever l'arrière-plan. Voilà, l'arrière-plan en cliquant sur ce truc. Et ensuite, vous allez faire un zoom pour que ce soit plus précis. Vous prenez l'outil pinceau, vous ne mettez pas beaucoup. Voilà. En opacité, vous mettez à 100%. Et puis ensuite, vous pouvez faire ceci. Alors, voilà, hop, vous vérifiez bien que c'est à 100% là, le flux et l'opacité, hein. Voilà, hop, le nez, est-ce qu'il faut le faire, est-ce que c'est important de le faire? Oui, mais vraiment à 8%, d'accord? Le nez et la bouche à 8%, parce que ça va un petit peu enlever le flou, en fait, mais pas beaucoup. Ça va vraiment l'enlever très, très, très légèrement, voilà. Tout simplement. Ça va pas l'enlever beaucoup. Et ensuite, on peut revenir au zoom d'avant. Et là, je vais enlever le casque et voilà. Le lissage est terminé. Ensuite, pour ceux qui s'y connaissent à Photoshop, comme moi, vous pouvez le maquiller. D'accord? Mais moi, puisque j'ai d'autres projets dans la tête et tout ça pour Photoshop, j'ai pas le temps d'en faire des trop qui durent trop longtemps, ou sinon des trucs où on peut juste le faire plusieurs fois. Voilà. Parce que ce tuto là, je viens de le faire, mais j'avais pas mis mon microphone. Donc, en gros, je suis obligé de le refaire. Mais ça ne me dérange pas parce que c'était pour vous. Donc voilà. Donc voilà, donc ce tuto va être
assez fin. Donc ce tuto est terminé. Donc je vous remercie d'avoir écouté ce tutoriel, de m'avoir lu et de m'écouter. Et likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, allez jeter des coups d'œil à mes autres vidéos. Voilà, donc voilà. Donc abonnez-vous à ma chaîne, bien entendu, et mettez des commentaires sur la vidéo. Voilà, tout le monde. Donc je vous dis à plus tard et je vous dis à plus dans un prochain tutoriel.